Allez mes amis, c'est parti. Bon, finalement, est-ce 5 minutes d'attente pour trouver une game en tueur? Ça va, c'est pas déconnant. Hein. Au lieu de 20 minutes pour trouver une game en tueur sur le 2v1. Moi, bon, franchement, ça va. Hein. Elle s'en va. Nice. Nickel, première survie, let's go. Parfait. Au niveau des crochets, c'est chaud là. Notre chat est obligé d'installer ici. Allez, on s'est cogné la tête. Ça fait un peu mal. Où est-ce qu'on va pouvoir l'installer ici? Let's go, on va essayer de checker Chili Barbuck. Hop. Ouais, sans succès. Logique, map trop petite. Joli timing, hein. Très joli timing. La map est horrible pour le build que t'as. C'est pas une map dingue, après y'a beaucoup de lignes droites. Y'a quand même beaucoup de lignes droites. Donc pour naviguer, ça va, c'est cool. Joli. Merde. Sérieux, Varg. Oh, je fais de la merde. Nice. Je pense qu'on va se retrouver avec un générateur. Plus qu'un seul générateur à gérer. Ouais, bah ouais, je décolle, hein. Mais ils ont un bon niveau les surbes là.
Ah, ils ont tous un bon niveau. Ouais, bravo. Ah, le pire, c'est que ça tombe, mais ils sont deux, ils sont trois sur moi, tu vois. C'est marrant, hein. J'ai trois survivants sur moi, mais le générateur tombe. Putain, vous êtes balèzes, les gars, quand même. Palette sûrement. Non, pas de palette. Bon, on a le dernier générateur qui tombe. Vas-y, tombe la palette. Nice, Eddard. Quelqu'un là-haut, peut-être, non? Pas très agréable comme première game. Ouais, sérieux. Il y a beaucoup de spots ici là, avec des petites pointes où tu te cognes, j'ai l'impression. Allez mon pote. Putain, sans déconner. Ah, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. Hein. Personne ici? Cinq accrochages. Vraiment pas dingue. Il doit avoir un dé, je pense. Ouais, la vraie team de 4, quoi. La vraie team de 4. Bon, vas-y, tu sais quoi? Allez, on va laisser sortir. C'est assez pitoyable de terminer la game de cette manière. J'ai la flemme en vrai. Ah, ils sont tous partis, ils l'ont laissé. Bon,
Voilà, si c'est pour enchaîner en vrai, ça, ça sert à rien, c'est pas intéressant en vrai. Allez, bravo. GG les gars. C'est pour enchaîner du back save en mode camping, fin de partie, pour gratter, on s'en fout en vrai. On s'est fait avoir, c'est pas grave. Allez, GG. Mais ouais, team de 4, première game. Ça fait mal. Espoir, 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 espoir. Résistance, résistance. Des dardes. Babysitter. C'est vrai que ça a été EP, babysitter. Lorsque vous libérez un survivant d'un crochet, il laisse pas de marque d'éraflure ni de flaque de sang. Et il a rapidité pendant. Il a un bonus de vitesse de 10% pendant 30 secondes, c'est ouf. C'est genre, vas-y, tunnel-moi, j'ai 10% de vitesse de bonus de déplacement en plus, let's go, vas-y. Des dardes, des dardes. GG. Ah, il était balèze. 600 000 points de soins à gagner? Arrête. Pour ceux qui jouent en 1v4, ça se passe comment? Vous avez que des tryhards en sur, vous? Moi, je sens que ça va être comme ça, hein. Je sens qu'il y a tous les gens qui veulent jouer chill qui vont faire le 2v8 et tous les tryhards ils vont aller en 2v... ils vont aller en 1v4. Ça se passe comment pour ceux qui... pour ceux qui 1v4? Je sais pas. Ça me trouve pas de partie. Ça te trouve pas de partie? Non, pour moi les games sont comme d'hab. Ouais. C'est pour fêter les 600k followers sur le du réseau social. Ouais. C'était plutôt chill, ouais. C'est ignoble le peu de parties que tu trouves. Salut par un Tinder. Ouais, il y a un mode 2v8, ouais. Non, tu trouves pas de game. Je vais me faire mon premier piercing dans une heure, rassure-moi, je me chie dessus. Tu fais un piercing où? À Reint. En fait, il y a des zones où ça fait mal, il y a des zones où ça fait pas mal. Je trouve que c'est plus chill en 4v1. Salut Michael! Sur le... Ouais, bah là, si c'est là, ça fait grave mal, ouais. Les deux lobes. Mais non, mais ça, tu sens rien. Non, non, en vrai, tu sens rien. Ah, aucune douleur. Le lobe de l'oreille, tu sens absolument rien. En fait, là où ça va te faire mal, c'est si tu fais, par exemple, dans le cartilage en haut, là. Putain, comment on appelle ça, déjà? Oreille. Zone. Félix. Au lobe, ça fait pas mal, tu vois. Là, ici, ça fait... Tu sentiras rien, en vrai. Ça fait vraiment rien. Même à l'arcade, ça fait rien. La lèvre, je crois que tu sens rien aussi. Mais par contre, voilà, c'est là. Ici, là. Quand tu le fais là. Là, par contre, ça fait mal, ouais. Là, tu prends tarif. Apparemment, ça fait vraiment mal, ouais. Lèvre, j'ai pas eu mal. Non, apparemment, piercing à lèvre, ça fait vraiment pas mal. L'arcade, ça fait rien. Non, non, franchement, t'as pas à avoir peur. Bah, la zone où tu sens vraiment rien, c'est l'aube d'oreille. Ça doit quand même être bizarre, ça fait un effet bizarre. De quoi, le piercing? Non, tu sens rien.
quand j'étais petite aux oreilles, ça m'avait fait super mal. Ah ouais? L'angle, c'est horrible. Eh, l'angle, je pense que ça doit faire mal, ouais. Enfin, ça doit faire mal. Je pense que l'angle, tu sens quelque chose, ouais. Non mais voilà, rien à craindre. Le pire, ça doit être dans les parties intimes. Ouais. Ah ouais, je... Ouais. Mais je pense que le pire, c'est pas de le faire. Le pire, à mon avis, c'est à un moment donné de te coincer. Alors, me dis pas comment. Mais genre, tu te coinces dans un truc et ça tire. Putain! Je veux même pas imaginer! Mon dieu! Ah là 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 là, la vache! Ah putain! Oh merde! Ah sans déconner! Non! Mon dieu! Putain! Pfff! Ah la vache! Je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça d'ailleurs, ça a un nom spécifique. Ils appellent ça un prince Albert ou je sais plus. Mais j'avais, il y a quoi, une dizaine d'années de ça, j'avais une pote, elle se faisait tatouer de partout et son tatoueur, c'était genre un tatouage de fait et il t'offrait ce piercing là quoi. Ça s'appelle un prince Albert, c'est ça? Et ouais, c'est ça en fait, il te faisait un tatouage et il t'offrait ça quoi. T'es en mode putain, perce-moi n'importe où mais pas là s'il te plaît. N'importe où mais pas là quoi. Merde. Super cadeau. Ouais non mais j'avoue grave. C'est en mode mais putain mais je, si tu veux je veux bien un piercing mais pas là quoi. Partout mais pas là quoi. Sans déconner. Oh bordel. À l'aide. Oh la vache. Oh, j'imagine même pas Firehorse, putain, sans déconner, à l'aide. Je préfère même pas imaginer. Les délires sont propres à chacun, je te jure. La gueule de la discussion, ah c'est pas ma faute, hein. C'est à cause de Arains, hein. Arains, il apparaît de se faire percer au lobe des oreilles, on lui a dit qu'il aurait pas mal. Après, écoutez, hein, moi je fais que lire le chat, hein. C'est vous qui avez marqué les dingueries aussi. Hein. Oh là 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 là, la vache. Je te jure, Romain. Mais t'as de ces émotes en vrai, JPP. Pourquoi vous pensez à des trucs comme ça? Ah, tu sais, il y a Firehorse sur le stream, à partir de là... Tu mets Firehorse, Camille, et c'est bon, c'est roue libre. Et on est foutu. Moi, je suis sage. Ouais, ouais. Cheval de feu. Petit cheval de feu, tout mignon. Tu sais, comme dans My Little Pony, là, le petit cheval de feu, là. Tout mignon. Hein? Oh, putain. Mais oui, je suis mignonne. Ouais. Les petits poneys. Salut, Zordolf. Salut, poulet. Bon, on va s'arracher encore. Team tryhard encore ou... Non, c'est pas une team de 4, c'est sûr, parce qu'il y en a un qui a... Ils sont peut-être 3. Mais ils sont pas 4, en tout cas, c'est sûr. Ormond. La station du Mormon. On pop en plein mid. On casse ici. Porte de gauche ou droite? Gauche, ok. Et on va aller là-bas. Ah bah tiens, on vient me chercher.
fond de map et on n'est pas dans la... Ah bah y'a pas... De toute manière j'ai pas intervention magnifique. On change de loupe. Dommage. Change de loupe. Nice. Dommage. J'avais pas un seul écho de douleur dans les parages, c'est vraiment triste. Fond de map, c'est assez insane. Il est au-dessus. Écho de douleur, ça serait vraiment cool. À l'autre bout du monde, regardez, regardez mes crochets. J'ai l'impression qu'il y en a... Non, il y en a 4. Joli, Spring Burst, franchement. Bah alors tu voulais tenter une flash? Hop! Va pas être possible, désolé.
c'est dommage. Elle joue bien. Des dardes. Non. Ok. Est-ce qu'ils vont réussir à terminer le générateur du centre? Ah, toujours pas. Malheureusement. Putain, ça t'a frôlé quand même. N'empêche, c'est une nagrée, comment j'arrive pas à te rattraper? Pour vachement vite, hein. Laisse-moi d'avancer. Là. On va prendre notre deuxième kill. Allez, on reste sur le loop à gauche. Ouais, plus grand chose à faire, à part des larmes. Le pire, c'est que je crois que j'ai qu'aux douleurs là, non? Ce jeune du centre. Putain, mais quel enfer, ils ont pas réussi à le faire. Oh, le jeune du centre, quoi, putain. Cabane. Aida dans la cache fond de map, elle va pouvoir des hooks. Ça doit être par là-bas, je pense. Ouais, petit poil. Elle courait vachement vite, Aida, quand même, par moment. Mais je crois qu'elle avait la perte de cage. C'est bizarre de voir la trappe se refermer à la fin. C'est vraiment bizarre. Perturbant, hein. Voyons voir les perks.
Ada. Endurci. Dramaturgie. Ouais. Ah ouais, dramaturgie. Mais il y avait deux dramaturgies. Voilà. Il y avait deux dramaturgies dans la partie. Il y avait Sable aussi qui avait dramaturgie. J'ai pas eu l'occasion de voir Ada lancer dramaturgie, personnellement. J'ai pas la sensation de l'avoir vue. Mais par contre, à un moment donné, elle a eu un boost de vitesse. Je pense qu'elle a claqué un dramaturgie. Quand on était notamment dans le main, vous vous rappelez, et qu'on était en train. Qu'on était passé par l'extérieur du main, sur l'espèce de balcon là, l'espèce de terrasse. J'ai vu qu'elle a une petite distance en vrai, et c'était, elle a utilisé dramaturgie à ce moment-là quand je la voyais pas du coup. Ça doit être ça. Dramaturgie en fait, ça me fait vachement penser à l'ancien des dardes. L'ancien des dardes en fait, tu l'utilisais souvent pour juste avancer de 1 mètre pour pouvoir prendre une fenêtre derrière, où est-ce que je veux dire? Ou vous t'avancez pour pouvoir baisser une palette. Dramaturgie me fait penser à ça. Sauf qu'après tu peux plus utiliser quand tu n'es... Tu peux utiliser que quand tu n'es pas blessé quoi. Et derrière en plus bon t'as plus de chances de te taper un malus que d'avoir un avantage genre un objet sympa quoi. Salut Lenders, salut poulet. Nice. Comment tu vas poulet, ça roule ou quoi? Ça va être Overgo? Ouais, ça va super. Merci, Play. Je suis en train de réfléchir. Tu n'avais pas dit xénomorphe? Non, j'ai dit aucun tueur. Oh, Pinette, ça fait longtemps, tiens. Salut Lenny, ouais ça va et toi? Oh The Wolf, comment tu vas? Ouais c'est Castlevania, prochaine collab. Castlevania. Bon en vrai les amis, temps d'attente pour trouver une game en tueur, 5 minutes. En 1v4. Temps d'attente pour trouver une game en tueur en 2v8, 20 minutes. On est d'accord, on continue d'1v4. Parce que pour l'instant, ouais, ça va assez vite pour trouver les games en tueur en 1v4. C'est pas dérangeant en vrai. Bah, c'est plus drôle. Moi, je m'amuserais plus en 2v8, hein, tu vois, pour le coup. En tueur, en tout cas. Le 1v4, on l'a toute l'année. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'attendre 20 minutes pour avoir une game, quoi. Parce que là, ça fait du 1/3 de jeu et 2/3 d'attente. Le ratio, il est pas ouf, quoi. On serait sur un moite-moite, je dis pas, tu vois. Mais là, c'est clairement 20 minutes d'attente pour 10 minutes de game. C'est trop. Alors que là, on est sur un meilleur équilibre. On est sur... 1/3 d'attente pour 2/3 de game. Tu vois, même à 50-50, je serais chaud. Même 30 minutes d'attente pour moi. 30 minutes, what the fuck. Ah non, c'est n'importe quoi. Je veux une collab avec Metallica sur Dead by Daylight. Ils sont pas trop tryhard, les survivants 1v4. Alors le groupe que j'ai eu avant, là, sur Ormond,
Ils jouaient bien, mais ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Mais on sentait qu'ils avaient un bon niveau, mais je sais pas, ils ont fait n'importe quoi sur la partie. Et le groupe d'avant, ils m'ont explosé. On était sur... sur Midwich. Et ils avaient tous un bon niveau, en vrai. Et on a réussi à faire 5 stages. Bon, 6 à la fin, mais ça compte pas vraiment, vu que... J'ai campé, et puis à la fin, j'ai laissé sortir. Je fais en vrai flemme. Et même eux, ils ont eu la flemme, tu vois. Ils ont vu, en fait, comment on allait se terminer la game. Et j'ai fait, vas-y, c'est bon. On laisse partir tout le monde, ça sert à rien, c'est naze. Ah, j'avais plus que ça à faire, en fait, à la fin, et... Ou m'avouer ou vaincu, donc je me suis avoué vaincu et je les ai sortir. Merci pour les 18 mois, Luca Crash. Après, certes, t'attends 20 minutes, mais au moins tu t'amuses sur un mode nouveau. Ouais, totalement. Totalement. Le truc, c'est que, bah... En étant en live, attendre aussi longtemps pour avoir une game, c'est pas évident, quoi. De te dire que en une heure de stream, tu vois, en une heure de temps sur Dead by Daylight, sur cette heure, il va y avoir 40 minutes du coup de lobby à attendre et 20 minutes du coup de gaming. C'est... Ça fait beaucoup. Je reviens, les amis. Allez, c'est parti! Avec le Pined! Macmillan! Ils sont forcément dans la corrupte. On va juste préparer le bâtiment, comme ça c'est fait. Ou alors peut-être là-bas. Ah, ils peuvent être derrière la côte. Ah, putain.
putain, par contre, derrière la colline. Non. The box. You opened it. I came. On va retourner dans le main. Et quoi que. Nice. Je mets un hit et... Mon hit s'est arrêté instant, je sais pas si vous avez remarqué. Comme si j'avais... je sais pas, comme si j'avais touché quelque chose, je sais pas. Ça s'est arrêté net. Chelou. Ouais, fais gaffe quand même. Ça se tente, franchement, ça se tentait, hein. J'aurais fait pareil qu'elle, en vrai. Personne là-bas? Ok. Nice, bien joué. C'est quoi ce 3-6 qu'elle m'a mis? Enchaînée, mais elle a aucun impact, c'est fou. Néa, sûrement, non? Non, même pas. Ok. À l'autre bout du monde. Nice. Dommage. Salut Néa, ça va? Ah, le 3-6 que m'a mis l'autre Néa, j'en reviens pas. Nice. Ça répare pas là-bas, on dirait. Ici non plus. On a un trigène sympa là. Ça répare où du coup, je comprends pas. Ah, pile poil, putain, vous avez de la chance. Hey, salut, ça va? Ah, je t'ai intercepté! What? Il se passe quoi? Attends.
fuck? Mais... C'est trop bizarre. J'ai cru que c'était la surf qui me soulevait. Genre avec un petit cheat, tu vois. Purée, qui me surprend sur le jeu maintenant. Oh, elle a été retenue par la chaîne, c'est beau ça. Joli, bien joué. Pas de dédarde. Non, non. Y a aucune chaîne qui a fonctionné, quoi. Putain, mais y a vraiment des bugs chelous sur cette partie, par contre. Alors, on va essayer de l'accrocher au plus vite, comme ça on pourra accrocher l'autre derrière au passage en vitesse. Ouais, c'est un bug, hein. Un spring burst. La relève. Oh, tiens. Je pense qu'ils sont tous les générateurs qui sont à zéro. Non, le Maurice, ce sera après, je suis désolé. Ils sont sûrement allés soigner par là, non? Oh. Pas mal ça. Tania. Non mais la zone, mais attends, mais c'est injouable ici. Il y a des espèces de montagnes russes, il y a du dénivelé et tout, je comprends rien. J'y comprends rien. Joli. Les coups de douleur n'ont même pas fonctionné en plus pour le coup. Ah, je suis toujours à Castac. Tous les gènes sont à l'arrêt. J'arrive.
I came. Oh non, Varg. Toujours pas de mourir. Toujours pas de mourir, désolé. La game a dû être insupportable pour eux, je pense. Ça a dû être vraiment pénible, je pense. Je suis désolé pour eux. I have such sights to show you. Opened it. I came. Ouais, faudra pas pleurer en fait si les games d'après on se tape que des tryhards, on a... Entre PH et Pined, si on continue d'enchaîner les 3-4K, on va... Les games d'après on va se faire massacrer. Mais en plus ils sont pas dégueux hein. Le pire c'est qu'ils sont pas dégueux, ils ont un bon niveau les surfs qu'on affronte, donc j'imagine pas ceux qui vont... Si le MMR fonctionne, j'imagine pas du coup l'état des games d'après, ça va juste être horrible. Qu'il arrive, tu souffriras toujours plus. Mon Dieu! Elle est où la trappe? Oh dur! Ce Mori il est quand même dingue hein. Ce Mori il est quand même masterclass hein. Putain. Petite masterclass, on va pas se mentir. Ah la vache. Pfiou. Merkou, quand tu feras les temps forts aujourd'hui, est-ce que tu pourras diviser le temps fort en deux moments? Comme ça fera une VOD de plus pour... Ça fera une VOD de plus du coup pour la chaîne secondaire pendant les vacances. Faudrait faire une première partie du coup de la journée d'aujourd'hui, le 2v8, et la deuxième partie ça sera du coup la session en killer s'il te plaît. Merci beaucoup. Et en mettant la date, si possible, le 30. Merci beaucoup. Non, on va pas relancer avec Pined, on va partir avec un autre tueur. Ouais, vu qu'on sait qu'on va perdre, on va partir avec Nemesis. On sait qu'on va se faire massacrer. Du coup, Nem. Est-ce qu'on choisit la map ou pas? Allez, Liri pour le fun. Bon appétit, Tam Tam. Bon app, poulet. J'ai même pas remercié Luca Crash qui a resub avec le Prime. Merci beaucoup Luca Crash. On a Flix qui vient de s'abonner également avec le Prime. Il y a 13 minutes même pas à Flix. Merci beaucoup pour l'abonnement.
premier mode abonnement sur la chaîne avec le Prime. Merci Flix. Merci d'avoir choisi la chaîne. Merci de nous soutenir, Poulet. Nemesis peut se faire respecter. Ouais, ça reste quand même compliqué, je trouve. Hein. Ça reste compliqué. Ah, que j'ai récupéré aucun défi ? Ah mais la page 2, faut que je me déco. Pour essayer d'avancer au moins sur ces trucs là. On est niveau combien? Je suis niveau 29 alors que j'ai rien fait. Il reste combien de jours? 69 jours, oh, pff, large. Zéro pression. Il me reste 1100... Dora, est-ce que je devrais acheter le pass? Il vaut le coup? Bah en vrai il sera remboursé, donc en soi c'est gratuit hein. En fait si tu penses que tu vas arriver niveau 70, tu récupéreras toutes tes cellules Dora investies, donc en fait c'est gratuit. Si tu joues beaucoup c'est bien. En plus le pass ouais il est beau cette fois-ci ouais. On a un pass qui est intéressant pour une fois. Soixante secondes en utilisant le vaccin. C'est le sens d'une game tueur où ça exploite un bug. J'ai fait un 4 sur 4 et ça m'insulte. Salut Live. Je sais pas quoi dire, Poulet. Report, en vrai, si ça exploite un bug. Report les personnes en face. Comme quoi, ils ont exploité un bug. Salut Dark Maul, merci pour les 4 mois. N'empêche, le bug qu'on a eu sur la Macmillan, il était trop bizarre. Vraiment, des espèces de mini-collines, en fait, invisibles. C'était trop perturbant. J'avais l'impression de... Je sais pas, j'avais l'impression que c'était Néa, en fait, qui cheatait, qui arrivait à me soulever. Je te jure. Alors regarde, il reste 69 jours, je suis déjà niveau 30 alors que j'ai même pas forcé. Oh, Daiki, Yaomin, 26 mois, merci. Mais oui, ça va et toi? Comment tu vas? Merci pour tes 26 mois. Un grand merci à toi. Et Mathéo, salut à toi, bienvenue sur le stream. Comment ça, tu t'es fait soulever? Bah dans le jeu, en fait, il y avait des petites collines et j'avais l'impression que... La survie de cheater, elle arrivait en fait à... Je sais pas, qu'elle avait un pouvoir façon Jedi, tu vois, et qu'elle arrivait à me soulever, tu vois. Je suis niveau 10. Si tu penses que tu joueras beaucoup ce mois-ci, ou enfin ces deux prochains mois, tu vois, t'as 69 jours pour tout faire, hein, et tu es remboursé à 100% de tes cellules d'aura si tu y arrives. Et après, même si tu joues pas beaucoup, en fait, en simplement faisant les défis, t'arrives à monter le truc assez vite. Hein. Dark Vador. Ouais, Dark Vador. Oh, Mac du 13 qui lance le train d'hype. Merci pour les 17 mois, Mac. Merci, Poulet. Merci beaucoup, Poulet. Merci à toi. Là, ça me donne envie de faire un... Ça me donne envie de relaisser une chance à Deep Rock Survivor.
Le skin de la singularité, en vrai, ça va. Ouais, putain, Merkou, t'as vu, je suis dégoûté. N'empêche, ça a été une énorme déception, dit Proc Galactic Survivor. Comment tu fais pour jouer Nemesis en 2v8? Bah, moi, j'ai activé un truc spécial, tu vois. C'est un truc qu'il faut pas dire, mais ouais. T'imagines? Ouais, c'était la déception, c'était la frustration quand même, hein, ce Deep Rock Galactic Survivor. Hein. Et Romain, merci pour les 100 bytes! Merci beaucoup, Romain! Merci, Paulet! Oh, tu es spécial. Je sais, ma maman me l'a toujours dit quand j'étais petit. En grandissant, elle me le disait souvent. C'est un compliment, non? Allez, Nemesis, on va aller casser des bouches. Ou se faire casser la bouche. Je sais pas, on va voir. C'est vrai que Nemesis, quand même, c'est un perso qui est tellement puissant. Je trouve qu'il mériterait un peu plus de force quand même dans le jeu. Et dans Resident Evil, enfin, c'est un perso qui s'impose de ouf, quoi. C'est comme le xénomorphe au final, tu vois. T'as l'impression de voir un chien qui te poursuit. Il n'y a aucune pression quand t'affrontes un xénomorphe, je trouve. Ouais, lui donner un lance-roquette. Ouais, au moins ça, tu vois. Lance-roquette, sulfateuse. Enfin, je sais pas, tu vois, minimum, quoi. Mort de rire, un chien, c'est Mims. Bah, un xénomorphe aussi, non? Tu trouves pas que les xénomorphes, ils sont Mims? Ah, Raccoon City ou Larry? Qui va gagner? Bof, il bave. Il y a certaines races de chiens, je te promets, qui bavent plus qu'un xénomorphe, hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas beau à voir. Non, Pedro, il bave pas. Ça, c'est cool. Ah, oh, quand t'as un chien qui bave toute la journée, c'est chiant. Ah, tu dois nettoyer tout le temps. C'est un peu relou, quoi. Bon, combien de temps on va résister? Ruine. Putain, alors vu où Ruin a apparu. À mon avis, Ruin va pas durer longtemps. Elle apparaît au même endroit encore. Joli. Burst. Allez, moi je call un classique 5 stage. 5 stage fair play. C'est là. Ah.
Oh non, lui, il passe là, je suis isolé. Là, je suis pas d'accord, franchement. Ah, pour moi, lui, il passe. Bisous, mon pote. Oh, c'est pas très cool. Ça par contre c'est chaud. Ok. C'est un sacré bordel, mais en vrai, je comprends pas, ils ont vraiment galéré à des hooks. Ce sera organisé à deux, un minimum. Je sais pas. Surtout, ils ont traîné à des hooks. Ils ont traîné de ouf. C'est parti où, le miss? Nice, allez, vas-y, palette. Change de spot. À quel moment ça passe pas, ça? Y'a vraiment un monde où ce hit y passe en vrai. On voit l'animation, je suis désolé. Ah mais c'est pour ça que l'autre elle est morte. Meg en fait elle joue pas. Putain, elle par contre qu'est-ce qu'elle envoie? Elle doit être dégoûtée hein. Merde, les Nancy, généralement, c'est toutes des tryhards. La palette, bien joué, on aveugle. Ah, mais c'est pour ça, en fait, qu'ils avancent pas et qu'ils galèrent. Parce qu'en fait, on a mec qui joue pas. Elle répare même pas, au final. C'est tellement full. C'est tellement full buggé. Comme ça. Putain, je me suis coincé. Il y a le passage effectivement pour que ça passe, donc ça va. Là, par contre, le niveau d'Anansi, il est monstrueux, tu vois. Tu mets 4 survivants comme ça, en vrai, tu fais 3 stages, je pense, sur ta partie. Et encore, t'en fais 3, t'es content, je pense. Putain. C'est un délire, franchement, mais c'est pas possible de servir autant à rien. «
Vas-y, va au moins la sauver parce que elle au moins elle mérite de sortir. Allez, sauve-la vite. Merci, c'est gentil. Allez, bisous. Et vous savez quoi, je vais essayer de rattraper Nancy. On va voir combien de temps elle va nous tenir. Non mais va pas des hooks. C'est pas moi, c'est Robert. Moi j'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. C'est pas ma faute. C'est Robert. Elle était full buggée la game. T'as la survie, elle passait son temps à tousser, c'était vraiment trop bizarre. Trop chelou. Ah, elle avait un niveau monstre. Il y a un bug avec la toux. Tu tousses sans jamais t'arrêter. Je l'ai eu ce bug. Alors, tu l'as eu en étant survivant ou tueur? Juste pour savoir. Et salut Tardis. Salut poulet. Allez, tête de gaufre. Tête de gaufre. Ah, je peux pas le tourner, tête de gaufre, c'est nul. Mais c'est naze! Je peux pas tourner l'alien! En survivant, ouais? Ok. Ah, c'était trop chelou. Salut, monsieur Kazou. Ça va et toi? Comment tu vas? Les coups de fouet qui passent pas alors que ça devrait, ça m'arrive aussi. Si ça peut te rassurer. Alors, les coups de fouet qui passent pas, là, tu vois, pour le coup. Il y a eu très peu de coups de fouet qui sont pas passés. En vrai, les coups de fouet, tu vois, que je mets quand le survivant il s'accroupit. La bordure, en fait, si elle est à la même hauteur que le survivant, tu vois, c'est la bordure qui va tanker le coup. Du coup, c'est totalement normal. Par contre, les moments où tu me vois mettre le coup de fouet et où je me mange la paillette, mais tu vois l'animation du coup de fouet, normalement, le coup de fouet devrait passer, tu vois. Normalement, ça devrait passer. Parce que tu vois l'animation qui s'est passée, donc normalement ça devrait passer quoi. C'est pour moi en fait, t'es stun, avant que le coup de fouet commence, ok pas de problème, pas de coup, rien. Par contre tu vois l'animation du coup de fouet, t'es stun après, tout le bordel. Ouais non, faut arrêter. Il faudrait qu'ils augmentent encore plus, tu vois, les... Dans l'idée, il faudrait qu'ils augmentent encore plus le nombre de tics des serveurs hein. Qui passent à 120 tics, ça serait bien. En fait, ça avantagerait les survivants. Mais ça rendrait le jeu plus legit. Et t'aurais moins ce genre de situation, tu sais, où tu te vois commencer à mettre un coup au survivant, mais le survivant, du coup, lui, il te voit un peu plus loin et il te stun avec la palette, tu vois. Il y aurait moins ces trucs-là, quoi. T'as un meilleur temps de réponse en fait sur les serveurs si t'augmentes les tics.
Et y a moins ce genre de souci. En fait, il y a moins ce souci, tu sais, de hits que tu trouves pas legit. C'est comme un CSGO en fait. Des fois, tu sais, tu te vois tirer en même temps que l'autre, mais l'autre a l'avantage alors que tu te vois tirer un petit peu avant. T'as l'impression d'avoir tiré avant, tu vois. Et en fait, plus t'as un serveur de qualité, et moins ce genre de problème arrive normalement. Ah, merci pour les codes. Yumi, les 21 mois, merci beaucoup. Merci à toi Yumi, j'espère que tu vas bien. Salut Flash, tu as vu comment la casse Auto Even est bug? Alors moi c'est Macmillan qui était bugué. Mais oui, je vois de quoi tu parles. Tu parles du coup de la zone avec le carré rouge, c'est ça? Ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, c'est un sacré bordel. Hein. Merci pour les 5 ans poulet, putain c'est ouf, 5 ans déjà, nom de Dieu, en T3, merci poulet, merci beaucoup. Merci pour les 5 ans d'abonnement poulet. Ça passe trop vite, c'est dingue. J'ai l'impression que t'es arrivé hier sur la chaîne. Sur Resident Evil 2, en plus. C'est ça hein, je crois. T'étais arrivé sur Resident Evil 2, si je dis pas de bêtises. Putain. Merci Imo, merci pour tout. Merci poulet. Eh, t'arrives pile poil pour une game, pour la dernière game du jour. Une petite game avec le Xenomorph en plus pour fêter tes 60 mois, c'est insane. Merci beaucoup Imo. Quoi de neuf? T'as passé un bon week-end j'espère? Ouais, la loupe des collines invisibles est bloquée par des murs invisibles. Ouais mais c'est un délire. J'ai eu ça sur Macmillan, j'avais des espèces de petites collines invisibles qui faisaient que je prenais de la hauteur. Je comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je croyais que c'était un survivant qui cheatait, tu sais. Et qui jouait en mode. Tu sais, qui faisait une Dark Vador en mode. Il utilisait la force sur moi pour me soulever. Bref. Un sacré bordel. Ouais, tête de gaufre. Rencontre avec un prédateur. Salut Diou! À chaque mise à jour, ils corrigent des bugs pour en créer de nouveaux. Ouais! Ah ouais, totalement, ouais. Ah, ça, c'est leur marque de fabrique. Bug fix égale nouveau bug. Du coup, faut sortir un nouveau bug fix pour les nouveaux bugs. Et bug fix ramène de nouveaux bugs. Encore et encore et encore. Cercle vicieux. Un cercle vicieux. Bon, Imo, j'aurais bien fait un 2v8, tu sais, mon poulet. Mais le problème, c'est qu'il y a 20 minutes d'attente pour tenter le 2v8. Je sais pas si t'as déjà essayé. Par contre, c'est ultra drôle. Hein. C'est incroyable. Le 2v8 sur le jeu, il est magique. Mais le problème, c'est que bah 20 minutes d'attente, voire plus, pour faire un 2v8. Hélas. C'est un peu dommage. Alors qu'en tueur, c'est 5 minutes d'attente. Ouais, Predator, ça serait bien en tueur. Ouais, ça serait cool. Ouais, le 2v8, c'est exactement en pomme. Exactement, c'est exactement ça. Le 2v8, c'est Disneyland, je te jure. C'est génial, mais par contre, pour pouvoir du coup réussir à taguer, bah putain, bon courage, quoi. J'ai essayé en survivant uniquement, matchmaking rapide. Ouais, c'est hyper rapide en surv. C'est hyper rapide, et en plus, t'es bien récompensé. T'as un beau petit bonus. Genre... Une partie, ça te paye 4 ou 5 banderoles, quoi, c'est ouf. 400%, c'est... Waouh. Magique. Après, quand je t'en fous des points de sang, au final... Hein.
à l'essence de ma prime. C'est calme. Trop calme. C'est marrant, ils jouent tous avec la même perk. Ils jouent tous avec la perk pour crier en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. Ah, je sais pas, ils ont tous la perk pour crier, c'est... je sais pas. Charbonne là-haut. Dans le temple. Ah non. Merde! Petite fenêtre! Bien joué! Ah, j'ai merdé! Y'a pas un surf contact ici? J'ai du mal à y croire. Ouais, y'en a pas? Ok, ça marche! Colline. Sérieusement ? Oh, le boost de vitesse qui part à la poubelle. Terrible ça. Pas mal la tourelle. Pas mal la tourelle, hein. Pas mal, dis donc, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ok. C'est planqué quasi, hein.
Et au pire, je vais pouvoir pop ici. C'est cool. Hop. Voilà, nickel. Je dois me taper des alus, c'est pas possible. Je vous promets, je l'ai vu partir de l'autre côté. Non mais... Je suis ravagé, moi. Souple. Probablement non. Merde. Ah, c'est bien joué. Salut Pixel, ça va ou quoi? Ouais, j'avoue qu'elle aurait été cool. J'avoue, Marco. C'est là-bas qu'on doit aller. On va la prendre en chasse ici. RS. On back. Ah, le jeu il marche bien quand même. Je suis impressionné. Franchement impressionnant. Pas détruire cette tourelle. Surtout pas la détruire. Putain. Tes tourelles, si elles sont éloignées des générateurs, il faut les laisser. Elle va pré-drop. Let's go. Non ? Je l'entends pas. Elle non plus, elle m'entend pas. À la rentrée, je vais mettre le son sur ronde sur le PC parce que là c'est plus possible. Ah, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas déjà le son sur ronde, c'est juste que j'ai une table de mixage. Et du coup, malheureusement. Avec une table de mixage, en fait, c'est un peu le bordel, c'est un peu plus compliqué à. C'est pas une question de son. Ah, si, avec le son en sur-onde, en vrai, ça serait déjà beaucoup plus simple. Oui, j'ai une table de mixage pour le micro. Je suis obligé. Ouais, c'était sûr. J'aurais fait pareil. En pré-drop. J'aurais peut-être fait pareil, effectivement, mais avec quelques verres dans le nez avant, quand même. T'as pris quoi comme nouvelle table de mixage? J'ai pris la Rode. Rodecaster 2. C'est du lourd. Hein. Mais il faudrait que je la paramètre. Je pense que je ferai ça au retour des vacances. J'avais pas la foi de faire du paramétrage dernièrement. Pourquoi? Parce que quand tu commences à paramétrer,
Quand tu commences à paramétrer du nouveau matériel, surtout une table de mixage, tu peux en avoir pour... ça peut très bien me mettre 2-3 heures, tu vois, pour la paramétrer. Ou comme ça peut... comme ça peut mettre un peu plus longtemps, quoi. Et comme le matos que j'ai actuellement, il marche... Le matos que j'ai actuellement il marche. Je me dis cette table de mixage, tu vois, c'est cool. Et là, si jamais demain j'ai ma Go XLR qui tombe en panne parce que. Parce qu'il y a eu du coup un. Il y avait un risque comme quoi il n'y ait plus de. Il n'y ait plus de mise à jour sur la Go XLR vu que. Vu que la société et l'équipe qui s'occupait en fait de faire les mises à jour en fait a été. Tout ça, ça avait fermé en fait. Donc. Je préférais prendre les devants du coup et prendre une autre table de mixage tout de suite. Pour l'instant elle marche toujours. Mais voilà, si jamais comme ça demain GoXLR peut plus faire de mise à jour et que la table de mixage est dead, bah j'ai l'autre table de mixage, tu vois, et au pire je prends juste un jour off au lieu d'en prendre deux ou trois. Je prends juste un jour off et j'apparamètre. Tu vois, j'ai toujours en fait un truc de... J'ai même un écran de secours maintenant. L'écran que j'ai acheté, quand j'avais un écran qui était tombé en panne, j'avais acheté un autre écran, tu vois. Et je me suis dit, je vais pas prendre non plus un écran de dingue. J'ai pris un petit écran à 150€. Mais je me suis dit, cet écran-là, tu vois, c'est un écran de merde, mais il servira si jamais un jour, j'ai un de mes écrans qui tombe en panne. J'aurai juste à le brancher et je pourrais faire du coup ma journée ou une semaine de stream avec, le temps d'en commander un autre et de le recevoir, quoi. Comme ça, voilà, il n'y a pas d'interruption de stream, il y a tout qui est là, du coup, on est tranquille.